Salut les potes, c'est Rajan CG, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la super forme. Regardez mes trophées, les gars, mes médailles. On a pris mes masses médailles cette semaine. On s'est fait un kiff, mais ultime. On a changé complètement de composition. Je vous l'avais dit, je trouvais qu'elle commençait un peu à s'essouffler. On a pris une compo qui est ultra risquée. Je veux dire, si le mec il a le counter, on ne peut absolument rien faire. J'ai perdu des matchs où je ne pouvais rien faire. Mais quand ça passe, c'est juste abominable. Je vous montre ma nouvelle compo, full aérien ou presque. Donc on a notre général qui relâche dès que les véhicules explosent des parachutistes, donc que de l'aérien et la grenadière en dégâts de zone au sol. Et là je vais vous dire les gars, on se fait des kiffs, mais vraiment ultime. Vraiment ultime, on va ouvrir les petits coffres gratuits qui sont ici. Et je vais vous balancer quelques petits replays, vous allez voir. Et à la fin on ouvrira cette caisse là qui reste. On va regarder quelques petits replays. Par exemple, cet homme-là qui joue un deck qui est en général très très compliqué pour moi, un deck full bâtiment. Regardez, en plus, c'était vraiment un bon joueur. Bien, franchement, il avait niveau 8, il est au même niveau que moi en trophée. C'était vraiment. Moi, quand je vois ce genre de général, je m'inquiète parce que les bâtiments, ce général-là, les bâtiments ont deux soldats pour le protéger. Et là, je commence très mal, j'ai rien pour détruire son mortier. Ah, j'appelle ça un mortier, mais je pense que c'est. Je connais pas bien le nom. Le mortier, en plus il avait la jeep qui fonce niveau 3. Et là on commence un petit peu à faire mal. Là je me dis bon, là je me dis on va envoyer le bombardier. Il est un peu long. Et là je vois le bâtiment déjà. Je me dis bon, ça va pas le faire, ça va être compliqué. J'ai plus d'élixir du tout. J'ai plus d'énergie. J'ai clairement plus d'énergie. Mon bombardier est tombé. Je dis bon, ça commence très mal. Il renvoie déjà une jeep qui va pas toucher parce que j'ai mis masse défense. Mais regardez, ça joue. Ça va très vite là par contre. Hein. Un peu trop vite. Mais vous voyez, là je me dis, je suis un peu dans le mal là, et on va remettre en x1. Et ça passe pas, mais vous avez vu, j'entasse des troupes, et là boum, le bombardier il tape, et là c'est terminé, il a tapé une fois. Et vous avez vu là les dégâts que la tour elle a pris juste avec un coup, et là ça continue à tirer, là je bombarde le tout parce que je me dis tant pis, il faut que ça passe. Il reste 30 secondes, il faut que ça passe. Et là, ça commence à être bien. Je remets un petit hélicoptère. Là, il va vouloir bombarder. Moi, je me dis, c'est bon, sa jeep va arriver. Hop, voilà, la jeep arrive. Et là, je mets tout de suite l'escadron tactique qui va s'en débarrasser en 2 secondes. L'hélicoptère pour prendre le focus tout de suite des petits soldats au sol et que ce soit pas ma tour qui prenne le focus. La grenadière au cas où, des troupes. Et là, c'est terminé. 7 secondes, je sais qu'il passera pas. Et c'est terminé. Une petite victoire bien sympa. Avec ce petit deck là. Alors ensuite on a eu une défaite. Donc voilà, ça m'arrive de perdre, hein. Vous voyez là par exemple, typiquement une compo où je ne peux rien faire. Des cartes pas chères, un général qui déploie des petites troupes. Donc le bombardier il est constamment en train de tourner. On ne peut absolument rien faire. Là, grosse victoire. Grosse victoire en plus contre un joueur qui avait le même général que moi. Donc vous allez voir, c'était vraiment pas facile. Je vois le même général que moi. Je dis bon, ça va être compliqué. Et là tout de suite il me sort le tank. Et là je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Bon, j'attends d'être à fond, je dis bon, je vais te bombarder comme ça, j'ai pas mes troupes, je dis bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je dis bon, bah écoutez, je mets mon héliport. Hop, je mets l'héliport et en fait je mets l'héliport trop tard et le tank il avait déjà pris le focus sur la tour, donc tant pis. Mes bombardiers il s'en est occupé en 2 coups, hop, ça a été réglé, mais par contre mon bombardier il a pris tarif et il est déjà middle vie et c'est très compliqué. Niveau 10 hein, quand même le garçon, hein. Voyons les troupes quand même, on voit son héliport de niveau 8, le mien est niveau 6, donc déjà ça annonce quand même la couleur. Et je fais une petite erreur, c'est je ne m'en occupe pas. En fait je me suis pas occupé de son héliport en me disant c'est bon, il va pas être dangereux. Et je le regrette un petit peu parce que j'ai déjà pris la tour middle, plus de la moitié des dégâts sur la tour. Et il a le sniper qui fait un peu mal et je me dis bon là faut que je fasse quelque chose. Et là, à contre-temps, je décide de... Ouais, la Jeep niveau 5, je décide de mettre le Napalm. Napalm qui a été un peu patch, hein, parce qu'il était vraiment cheat, hein, pour le coup, c'était vraiment vrai. Hein, il était bien, bien cheat. Hop, on dégage ça. Et là, il remet tout de suite son tank, mais vous avez vu, j'ai déjà accumulé mes troupes avec la grenade. Et là, j'ai bien le temps de poser, j'ai bien posé mon héliport. Je me dis, j'espère qu'il n'enverra pas de Jeep tout de suite. Et là, il m'envoie son Napalm, mais vous voyez, il l'a mis pour toucher la tour, alors que s'il avait mis plus sur mes troupes, sur l'avancée de mes troupes, ça aurait vraiment empêché mon bombardier de faire ce qu'il va faire dans une seconde là, c'est à dire boum, voilà, boum, le bombardier une fois qu'il va avoir tapé c'est terminé, le bombardier hop ça y est, il a tapé une fois, deux fois, c'est terminé, il n'y a plus de tour, je remets bien mon héliport devant et là je rigole parce que
Parce que le mec, il a masse troupes devant lui. Il est obligé de défendre masse troupes et je peux déjà renvoyer un bombardier. Et là, il est vraiment dans le dur. Et je crois qu'il va rage quitte. Je crois qu'il va rage quitte de mémoire. Il a rage quitte parce qu'il s'est dit c'était terminé quoi. C'était terminé, ça fait un 3-0. Mais vous avez vu, hein, j'ai très très mal commencé. Après, j'ai plus pris un seul dégât sur la tour. Si j'ai pas la bonne main pour défendre, c'est compliqué. Dès que j'ai la bonne main pour défendre, bah ça passe. Ça passe crème. Et ce deck là, il est vraiment très très fort là-dessus. Et derrière, on avait fait une autre petite victoire contre. Ah, contre aussi un mec qui jouait bombardier. Qui avait un peu un deck un peu comme le mien avant, mais avec le bombardier. Mon ancien général. Et avec un bomber. Donc là, je tombe contre un niveau 9 comme moi. Et là, je me dis, bon, alors, il va y avoir forcément y avoir un tank, parce qu'il va déployer un tank. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon héliport. Évidemment, je mets mon héliport du mauvais côté, en plus, parce que son tank, il débarque toujours du côté bunker, mais je fais pas attention. Et là, je vois ça, je dis, ouh là là, ça va piquer, parce que j'ai déployé mes troupes, mais pas forcément bon endroit. Et là, tout de suite, il fait une erreur, il met le napalm, et là, ça va être son erreur fatale, parce qu'il va détruire mes hélicoptères, mais le problème c'est que bah, ça va attaquer les troupes au sol. Et là j'ai mis la grenadière sur le tank de niveau 5. Mais elle va faire clairement le taf. Et vous avez vu, j'ai encore des troupes. J'ai encore des troupes qui défendent. Et ça défend toujours. Et là, boum, tout de suite l'héliport, hein, on protège. Là la grenadière va mettre en duel avec le sergent. Le sergent qui est vraiment une carte très très forte. La grenadière qui est pas spécialement forte, mais il me faut des dégâts de zone au sol. Parce que je me suis aperçu que ce deck là foulait rien, c'est bien, mais si on a vraiment pas de dégâts de zone au sol, c'est pas une carte que je sors le plus. Et là je me dis c'est parti, faut attaquer. Là on arrête de rire, j'attaque. Le bombardier de l'autre côté, je m'en occuperai avec l'escadron tactique, c'est pas grave. Mais là j'arrête de rire. Et là je vois ça, je dis bon, tout de suite on va bombarder. Hop, je bombarde, je mets l'escadron tactique direct dessus. Voilà, comme ça s'en occupe. Et je jette la grenadière. Vous avez vu pourquoi je mets la grenadière? Ça va clairement. Là il fait une erreur, il défend l'escadron tactique. Et la grenadière, voilà, elle va faire le taf sur la tour. Sans pitié pour la tour. Et là, le bombardier a même le temps de tirer. Et vous avez vu, il a le temps de tirer. La tour est détruite. La grenadière finit le tank. Et là, on sait que c'est plié. Là, moi, je sais que c'est plié parce que, voilà, il va pouvoir mettre tout ce qu'il veut. Là, je vais mettre un coup de napalm tout de suite sur toutes ses troupes. Comme ça, on n'en parle plus. Et hop, emballé, c'est pesé. Le bombardier, il avance un tout petit peu dans le napalm. C'est le petit désagrément. Mais je mets l'escadron tactique juste derrière. Et là, je sais qu'il va plus pouvoir faire grand chose. Je sais que là dans ma tête, je me dis c'est bon, c'est win. Parce que le bombardier, il est ciblé. Moi, j'ai pré-shoté en fait un lance-roquette. En lançant mon bombardement, j'ai pré-shoté un lance-roquette. Je perds ma tour, mais je savais que j'allais perdre la tour. J'ai pris la deuxième. Il reste 19 secondes, c'est plié. Je protège bien ma deuxième tour avec les héliports. Et je pose la grenadière et je rigole une nouvelle fois parce que je sais que ce deck-là est tellement fort. Il y a des hélicos partout. Regardez, il y a des hélicos partout, les gars. Il y a des troupes partout et là il peut faire ce qu'il veut. On sait que c'est plié la game. Parfait. Bon, vous voyez ce deck, une compo vraiment vraiment pratique. Je vais essayer de reprendre des games in live, mais il faut que je sois vraiment concentré pour bien jouer. Dès que je parle un peu, bah, j'ai l'impression de perdre. Donc 2025 trophées, on a 200 trophées du top 200 en France. Donc c'est pas mal. Et puis on va s'ouvrir cette petite caisse épique. Voyons ce qu'il y a dedans. Allez, pouf, 3 épiques. Ouh, comme c'est magnifique. Ok, des hélicoptères x55, ça m'arrange. Alors la nouvelle carte, j'ai un extracteur de... Alors ils appellent ça un générateur électrique. À voir. Le général, oui, mon général en prime. Un petit général en plus. Et celle-ci, oh, puis un bombardier. Parfait. Le pack opening, parfait les gars. Donc voilà, on a créé Think War. Pour l'instant on est tout petit, on est là entre amis. Think War, venez nous rejoindre, on s'éclate. Il n'y a pas encore de grosses choses dans les alliances. Pour l'instant, on peut juste se retrouver et discuter. Mais de ce qu'a annoncé War Heroes, la prochaine mise à jour est centrée sur les alliances. Ils vont sûrement essayer de copier certains jeux du même genre pour améliorer un peu les alliances. Du genre, sûrement partager des combats dans le chat. Peut-être faire des combats amicaux d'entraînement entre nous pour tester nos decks. À voir. Leur support est pas encore ultime. J'ai pas été voir la boutique. Qu'est-ce qu'on a? Du bombardement, ça m'intéresse pas. Motard, ce général m'intéresse pas. Est-ce qu'on se referait pas une petite caisse épique? Hein? Allez, on se fait une petite caisse épique. On y va. Hop! Oh là là! Oh, la carte héroïque. Oh là là! En plus, c'est peut-être une nouvelle. Parce que j'ai débloqué des nouvelles cartes héroïques. Donc là, les mines, ça m'intéresse pas. Le bombardement, c'est parfait.
Oui, yes, encore 5 et on le passe niveau 6 et celle-ci elle est 9. Oh, les 9, une nouvelle. Oh là là, il est monstrueux lui. Oh là là, Léonidas, c'est notre ami Léonidas, mais il est monstrueux. Regardez cette carte. On va aller la voir ensemble. Mais regardez cette carte, comment elle est monstrueuse. Il déploie une armée dès qu'un bâtiment est détruit. Il déploie un sergent, une grenadière, deux soldats et 25 recrues. Ça fait mal, mais faut avoir un deck tellement lourd que faut accepter de perdre une tour. Gros inconvénient. Et il nous en manque plus qu'une, c'est celle-ci qui ajoute 15 mines du côté de là. Donc voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, elle sort celle-ci début janvier. Moi, je l'ai enregistrée début décembre. Donc ça aura sûrement évolué. Vous allez sûrement avoir un gros écart entre deux. Mais comme je l'ai dit, j'enregistre énormément à l'avance pour que vous n'ayez pas de coupure. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, à la liker si elle vous a plu. Salut, salut!